Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans le salon VIP de Bien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça vous parle, passement de jambes? Ça me jambes, c'est-à-dire? Non, bah le petit... Oui, je le vois mal, voilà, c'est ça partir, donc là, ça va être assez compliqué. La polémique, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, FC Nantes, il est le premier entraîneur brodé de faire cette petite escapade, de rater le décrash de chaque club, mais en tout cas, si ça... Il sera en réussite au bout d'un moment. Pour le FC Nantes, attention, parce que les places les plus basses commencent. Cet athlète, il est très connu et il a vraiment fait de très grandes choses. Donc là, j'avoue que c'est impressionnant. Bein Sky, je vous ai mis en une de Bein. Supporter, ce Parisien, réussira-t-il à les réconcilier? Ce qu'on a pu... Je ne sais pas si c'est le mot, comprendre, hein, parce que c'était quand même très cautionné ça. Mais est-ce que vous comprenez la colère des supporters de Marseille? Quand on est amoureux du football, notamment d'un club... Après, ça, je pense que j'invente rien en le disant, mais c'est une acte qui s'est passée, comme des intrusions dans un lieu comme la commanderie, et même voilà, des dégradations. Enfin, donc non, bien sûr que je ne comprends pas. Après, ça, il y a un peu du mal, mais ils ne sont pas non plus 15e, quoi, je veux dire. Enfin, ils sont... Ça va se passer, mais en tous les cas, non, c'est jamais ce qu'il faut faire pour... Est-ce que vous appréhendez le classico la semaine prochaine entre l'OM et le PSG? Rien de bon. Alors, on verra. Est-ce qu'ils vont avoir une réaction? Est-ce que les joueurs vont vouloir montrer quelque chose sur le terrain? Saint-Germain, en plus, il y en a eu un il n'y a pas très très longtemps avec une défaite. Ça, donc, lors du match. Et puis, en plus, on vous a posé une question tweet. La fin de l'émission, Clara viendra faire un... J'adore. Non, il n'y a rien qui tombe. Regardez, lorsqu'elle la magie. Moi, c'est à 12 ans que j'ai commencé en club à jouer au foot ami. Ouais. Pour le plaisir, et ça ne va pas empêcher de développer quelques petites compétences en technique ou un peu de freestyle aussi. Mais sinon, voilà, j'ai pas fait une très grande... Je n'avais pas le niveau pour être pro. Mais voilà, en fait, j'ai juste envie de rappeler aux gens qu'on peut jouer au foot et avoir de l'ambition. Voilà, on ne parle pas tout de suite de professionnalisme, mais surtout créer un club, essayer de le faire monter. C'est ça aussi le foot, c'est collectif et c'est ce que j'adore. Votre passion, elle naît vraiment à la Coupe du... Une très bonne mémoire dans l'ancien temps, on va dire. Pour moi, 7 ans, c'est quand même assez jeune. Mais c'est vrai que j'étais du coup chez mes parents avec ça. Un jour, à ce niveau-là, qui est aussi timide ou aussi réservé, ça, c'est fou. Vous suivez? C'est assez intéressant, notamment... Donc, tous les matchs de Ligue 1, vous les regardez? Non, je ne regarde pas tous les matchs de Ligue 1, mais je regarde... Votre club, c'est le PSG depuis toujours? Oui, depuis toujours. Quand je me suis intéressé en 98, et aussi, bien sûr aussi, on a joué là-bas. Enfin, avec le Finska FC, ça, c'était incroyable. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Et c'est même fou, j'ai même plus trop à y croire. Elle est magnifique, la photo, en tout cas. Actuellement. Ouais, ouais, cette photo, elle est magnifique. C'était vraiment une super expérience. Sentie. Peut-être qu'ils ont pris l'adversaire un petit peu trop, ce qui leur arrive assez souvent, à la légère. C'était les derniers. Mais résultat, le PSG se retrouve quand même 3e du classement. Derrière Lille, le leader, et Lyon. Vous êtes passé par Paris, au moment où vous trouvez l'Arc de Triomphe, vous avez dit « Putain, je crois que je me suis trompé. » Oui, en fait, j'écoute bêtement le GPS, c'est mon gros défaut. Bon, on est sauvés, vous êtes arrivés à l'heure aujourd'hui. Ça. Donc j'ai dû faire avec, il y a Sky dans la réponse. Ok. Il y a toujours Sky dans la réponse. Ok, d'accord. C'est bien intégré. Ouais. Commencez par Poisson et puis vous finissez par Sky. Poisson en anglais ou... Bravo, Clara. Et ben, tout ça grâce à... Non, mais franchement... Mes baskets. Et merci à Jean-Michel Blanquart pour cette vidéo. Il m'a sauvé ma chronique. Qui nous a procuré beaucoup de bonheur aujourd'hui. Merci aussi à vous, Bein Sky, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Bonne chance avec le Bein Sky FC. Merci beaucoup. Et je vous dis pas bonne chance pour YouTube. On continue à travailler, on continue à réfléchir, à pas dormir.